D'abord, on parle. J'ai laissé le cheveu naturel. Le cheveu naturel, maintenant, j'ai commencé à mettre les mèches naturelles pour que ça puisse tenir. Mmh. Quand j'appelle le frère, c'est juste, il disait que c'est comme si la main en train de nous ronger. Donc, légèrement, donc on ne peut même pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit d'avant-hier, j'étais assise. Là, le Saint-Esprit me dit, défait directement, là, quand j'ai compris. Et j'ai tout spécialisé, quand c'est 8 jours, c'est quand on avait allumé le feu ici. Ça m'a même fait, j'ai voulu prendre les ciseaux pour tailler ma veille très sur la tête. Donc, c'est comme si ma tête était en train de brûler et à l'intérieur, ça me rongeait. C'est là où je me rappelle deux songes me viennent en esprit. Le premier songe, c'était quand je fréquentais encore les églises pentecôtistes. Et j'avais les choses à faire, qu'il y avait tous les tissages, toujours les greffes sur la tête. Et le premier jour, j'ai mis le pied dans cette église-là, le pasteur a prêché là-dessus. Ça m'a touché. 3h du matin, j'ai défait la tête qu'on avait tressée dimanche. Mercredi, pas au bestiaire, mais j'ai défait mes cheveux. Je me suis couché à 3h du matin. Dans vos bureaux, même mes employés, ont demandé, ça c'est quoi ça? Et pourtant, tu étais belle avec tes tresses. Jusque-là, tu n'as pas compris. Pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien après, j'ai dit, comme mes cheveux sont courts, je vais acheter les mèches, hein, le week-end qui avait suivi. Comme mes cheveux sont courts, on va mettre ça le temps que ça pousse et après je vais arrêter avec les mèches. Je prends les mèches, je mets dans le sac. J'apprête tout et j'avais rendez-vous avec le pasteur, c'était un samedi. Au moment de toucher la poignée de la porte, quelque chose m'amène, en fait ça c'était le Seigneur, il m'amène à me retourner. Je vais me placer devant le grand miroir, dans le miroir me dépasser en taille. Et je me pose même la question, pourquoi est-ce que je laisse la poignée me placer devant le miroir? Ce que j'ai vu, les zombies dans le clip de Michael Jackson là, les zombies qui sortent de là, c'est donc comme ça que je me vois, mais je n'avais pas les mèches sur la tête, puis j'avais des fêtes, je peux me tresser. C'est là où tellement choqué, je m'excuse, même ça m'a fait. Donc, c'est comme Michael Jackson. Ouais, les zombies là qui sortent avec la tête. Je te dis que Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Le Seigneur me dit, c'est ça, c'est à ça que tu ressens quand tu mets ces choses sur la tête. Ça m'a énervé. J'ai réglé les mails, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vu ça, j'ai visé ça à l'intérieur du placard, j'ai fermé le bâton. J'ai vu le pasteur, j'ai expliqué, le pasteur s'est moqué de me dire que le Seigneur t'a chicoté. Et c'est moi qui l'ai dit que le Seigneur m'a chicoté. C'est là où depuis ce jour-là, j'ai arrêté. J'ai fait des années. J'ai arrêté. Quand j'ai commencé à laisser les cheveux naturels, j'ai dit non. Comme j'ai taillé ces coups, on le poussait, il faut mettre les mèches le temps que ça ne devienne leur compresse. Un jour, je fais un rêve bizarre. Comme ça, j'étais avec deux étudiantes, même j'étais étudiante dans le rêve. Je suis en train de marcher. Après, j'ai dit, mais attends, regarde, tu as une blessure au bras. Je dis, moi, je regarde mon bras, je vois un trou. Et curieusement, quand je regardais ce trou, je voyais l'intérieur de mon corps. La matière verdâtre, là, quand le cadavre pourrit, là, ça devient vert, le poisson, ça devient vert, là. L'intérieur était comme ça. Et les gros asticots étaient à l'intérieur, se baladaient sur mes os, ça rongeait la chair. Je regarde et dis, Seigneur, ça c'est quoi? Il dit que non, attends, je connais un endroit, enfin, je sais pas moi, un truc, je sais pas, une congrégation de sœurs là-bas, on va te traiter. Il faudra seulement qu'on prenne la chair d'un cadavre, puis on met là-bas. Je vais mettre la chair d'un cadavre sur ma chaise, c'est pour donner quoi? Je dis non. Je fais donc demi-tour, je rentre à la maison, c'est toujours dans le rêve. Et avant d'entrer à la maison, c'est comme si j'ai vu parmi ces personnes, celle-là qui a dit qu'il faut que je t'amène, on met la chaise du cadavre. Elle était placée comme chez le voisin. Mais au moment où je la regardais, elle était transformée en ennemi en fait. Donc quand je la vois, je ne la vois plus comme quelqu'un dans les conseils, mais comme l'ennemi qui me tendait le piège. C'est là où ma cousine donc sort du couloir et elle me demande que qu'est-ce que tu es venu chercher. Je lui dis que je suis venue prendre mes effets pour me rendre à l'hôpital parce que je suis en train de mourir. Et bien avant ça, et justement, en fait, j'ai pris la fin du rêve. Au début, je rêve que je suis morte. Directement, je me retrouve donc dans l'autre monde. Il a la présence du Seigneur, la cache. On ne m'a même pas demandé
quel était le motif pour partir en enfer? Là où j'étais, je savais que je vais en enfer. Pourquoi? Parce que les mèches. Une peur terrible m'a saisie. Et là, à l'immédiat, je me retrouve dans un endroit qui était comme des circuits. À l'époque, on parle des circuits, des salons. Et quand je me suis retrouvée, je me suis dit, donc, j'ai eu un dégoût. Je me suis dit, ça y est, je ne peux pas me retrouver ici. Ce n'est pas un endroit pour moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y avait les hommes et les femmes là qui buvaient, qui s'entrelaçaient. Donc, c'était tellement répugnant. Je voulais seulement sortir de cet endroit. Et moi, je tourne la tête vers ma droite. C'est terrible ce que le rêve. Au même endroit, mais c'est comme s'il y avait un mur invisible qui séparait. De l'autre côté, je vois une amie de ma grande soeur. Elle s'appelle Soleil. Elle était vêtue de blanche, comme les femmes vraiment vêtueuses là. Toute la maison était propre et d'une blancheur pas possible. Elle était en train de prendre soin de la maison. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, permets que je ne parte retrouver Soleil. Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas supporter. Je ne veux pas. Pendant que j'étais en train de dire, je ne veux pas, je ne peux pas. Je ne faisais que me rapprocher de celle-là. Quand je me suis retrouvée là-bas, donc là-haut, directement, je me retrouve alors avec les deux autres étudiants témoins et l'histoire de ma chère qui. Et dit au Seigneur, mais pourquoi est-ce que depuis le démon, tu joues la pourriture, la mort, c'est quoi? C'est alors ces jours-ci, avec les rares mèches naturelles que j'ai placées là pour pouvoir permettre que les tresses mettent long, l'intérieur commence à démarrer comme ça, sans s'arranger comme les asticots. Là, c'est pas le rêve, la vérité. À l'intérieur, je me dis, quand même la soeur, moi que la soeur, ça ne va pas. C'est comme si je suis en train de mourir, là, moi en train de me ronger. Mais là, quand ça prend le dessus de ma tête, le feu. J'ai souffert, j'ai pris les calmants, j'ai même pris la prière, la méditation. J'ai dit hier soir, dans la nuit d'avant-hier, je étant assise là, j'entends défait. Et j'ai défait, tout est revenu à l'ordre. Après les hospitalisations, la pharmacie, comment prescrit et tout. La conclusion, c'est quoi maintenant? La conclusion. Et le conseil? Porter les mèches. Ça, c'est chercher, dit que prendre, pas, même pas faire appeler, prendre l'esprit de mort, poser en soi, même pas sur soi, parce que ce qui rongeait, c'est à l'intérieur. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est l'âme qui est vraiment touchée, rongée. Et ça, il faut carrément éviter. Parce que s'il faut aller passer l'éternité en enfer, parce, à cause de quelques mèches, et surtout qu'on dépense de l'argent pour ça, ça aurait bien pu servir à faire autre chose. Mais les gens disent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu regarde à ça, je suis désolé. Je ne sais pas quoi. Même le pasteur dit que, mes soeurs, qu'on ne vous trompe pas, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Et alors que... Frère, ce que Dieu a déposé, il sait pourquoi il a déposé ça. Et à partir du moment où il dit, dans sa parole, qui nous a donné la chevelure comme une gloire. On va prendre des déchets, moi j'appelle ça les déchets de pétrole ou les déchets ou les cheveux des adeptes de je ne sais pas quelle secte qui donne ça, qui donne les mèches en sacrifice. Là tu prends, tu viens poser sur ta tête et après tu viens prier le Seigneur. Comment est-ce que ça va passer? Là j'ai ça cher quoi. Voilà, même si on ne me dit même pas ce que moi j'explique, la voix qui m'a dit détache. C'est pas le diable qui m'a dit détache. Et quand j'ai détaché, j'ai compris. C'était ça le problème. Je suis bien. Jusqu'avant ce moment-là, même avec le traitement, ça n'allait pas. Je faisais que la seule grâce que je sens que ça ne va pas. Et là, on donne l'ouverture vraiment au diable à ce moment-là pour venir faire n'importe quoi. Et si tes collègues disent que depuis tu n'es plus belle alors, comme avant? Si le Seigneur m'aime comme ça, moi je n'ai pas de problème. Et mes cheveux, on les apprécie, surtout là. Même si la femme m'a dit, ouais, tes cheveux. Même au salon, quand j'y passe, là on tresse, là, on dit, madame, vous avez de très beaux cheveux. Au bureau, excusez-moi, ça c'est. Mais tu mettais comment entre les mèches, tu sais. Pourquoi? Non, pas mes cheveux naturels, vraiment. Je me rappelle, ça fait à peine un mois. C'est l'ami de mon employeur qui est arrivé. Mon employeur, c'est un expatrié, c'est un bon. Celui-là, il est métissé. C'est un parent, son ami là. Il est arrivé. Et j'avais juste mis le bandeau dans la touffe était restée. Comme j'ai les cheveux poivre, c'est dans les cheveux blancs. Quand il est entré, il veut que quelqu'un ma tête. Il arrive au bureau parce que quand il part, comme ce sont les baies vitrées qui séparent.
Après, tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a une belle chevelure. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. J'ai voulu demander, monsieur, adore là, c'est pas bon, mais bon, je ne suis pas voulu parler. Il tente de poser là-bas. Il ne faisait que regarder, il se tourne, regarde. Il se tourne, regarde. Il a regardé la gloire d'une autre personne, il a adoré. Et aujourd'hui, mes collègues sont en train de passer aux cheveux naturels. Et je connais seulement deux cheveux, et comme les deux cheveux, quand vous allez entretenir, vous pouvez, elles sont maintenant naturelles. Celles qui étaient sophistiquées là, au naturel. Amen. Et le conseil que tu donnes pour tes soeurs aussi, c'est quoi normalement? Qu'elles gardent leurs cheveux naturels, quelle que soit la tentation qui va venir, parce que là, quand on les met physiquement, on croit que qu'on est belle-mère, que nous sommes belle-mère, c'est pas ça. Parce que si le païen, lui, voit mes cheveux, apprécie mes cheveux naturels, qu'est-ce qu'on fait ça en disant qu'est-ce que c'est beau. Je prends dans les mèches là, je les mets sur la tête, c'est pour chercher quoi. Et en plus là, c'est pour chercher la mort, pour appeler la mort, pour appeler la mort sur moi. Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des moqueurs qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle est ton bon Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices, reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil. Ta royauté, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, ô Saint d'Israël, nous te le prions.
Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de l'éternel.